vous présenter une petite recette très simple à faire que j'appelle le beurre de poivron. Alors ça peut se faire éventuellement avec d'autres légumes aussi, mais le poivron c'est vraiment top au niveau de cette recette, c'est ce qui est le plus goûteux. Donc les poivrons en fait, là j'ai acheté des poivrons tout frais, je les coupe en morceaux, je les rince, j'enlève les pépins, voilà. Je les mets de côté pour le moment. Les ingrédients, donc ce sont les poivrons. Là, il y a 3 poivrons. Là, il y a des lupins. Des lupins au naturel. Donc, je vais devoir enlever la petite peau. Hein. C'est assez simple à faire. Il faut juste les faire... Les dépioter un peu. Ça, c'est les noix de cajou que j'ai fait tremper ce matin. Dans de l'eau tiède, de l'eau froide, un peu de sel et il faut une petite matière grasse. Ceci, c'est du beurre clarifié que j'ai fait hier, qui est un délice, un pur délice. C'est le beurre qui a été débarrassé en fait il n'y reste plus que la graisse, il n'y a plus de protéines dedans. C'est ce qu'on appelle aussi le ghee. On peut utiliser à la place de ça, on peut utiliser par exemple de l'huile de coco ou. De la crème d'amande, voilà. Il faut un petit apport de matière grasse, mais très léger. Et ensuite, l'agar-agar, que vous connaissez peut-être, c'est un gélifiant naturel végétal, qui nécessite lui d'être chauffé, donc pour être dilué, on va le faire ensemble après. Pour le moment, je vais m'occuper de peler ces petits lupins. Et une fois que c'est terminé, on fait le mélange avec le blender. Un blender simple mais efficace qui permettra de tout passer avant de le couler dans les petits moules. J'ai fait aussi cette recette à la place de mettre des lupins. Bon là ce sont des lupins bio, hein, qui ne sont pas traité. Évidemment, on trouve les lupins aussi on les trouve dans les grandes surfaces, au rayon un peu exotique ou chez les vendeurs d'olives. Mais ceux-là sont quand même... je pense qu'il doit y avoir un conservateur dedans. Quoi. À la place des lupins, j'ai essayé, ça marche très bien, c'est les fèves lactofermentées. Ça, c'est mon dada, la lactofermentation. On avait beaucoup de fèves l'hiver dernier et donc j'en avais préparé. Ça marche très très bien. Mais là j'en ai plus, donc on fait avec les lupins. Si vous avez envie d'essayer la lactofermentation, les fèves fermentent très bien, mais il faut juste les faire blanchir pendant 3 minutes avant de les mettre en lactofermentation. Donc, un produit gélifiant naturel, on en met en fait relativement peu. Mais il faut quand même que ça puisse donner une certaine tenue. Ce sont des petits sachets de 4 grammes par litre. C'est des sachets de 4 grammes. Je mets à peu près la moitié du paquet. En fait, tout dépend de l'utilité qu'on a de l'agar-agar. Quand on veut faire quelque chose d'un peu plus épais, bien sûr, on met moins d'eau. Là, ici, la quantité exacte, vous voyez, c'est à peu près... on va dire 2 verres d'eau pour la moitié d'un sachet d'agar-agar. Alors la préparation, elle doit être chauffée juste avant l'ébullition. Voilà, l'agar-agar est chaud. On va mettre les poivrons dans le blender. Hop. On va mettre les noix de cajou, les lupins. Petite cuillère à soupe de beurre clarifié. Hop. L'agar-agar. On va passer tout ça au blender. La préparation dans des petits moules en silicone qu'on va mettre au frais pendant une heure minimum. Après on le démoulera et ça va servir de petite préparation à glisser dans les rouleaux de printemps,
à utiliser sur les crackers. Il y a plein de façons de le déguster. C'est vraiment juste un délice. Donc ça va aller au frais. Donc là, il est pris. Hop, on le retourne. Et voilà. C'est vraiment très bon. Bon appétit, hein.